Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que je saurai bien cadrer aussi pour cette vidéo. Parce que j'essaie de vous mettre en hauteur, mais j'ai l'impression que je ne suis pas droite. Si je fais comme ça avec un petit peu plus de recul, est-ce qu'on est mieux ou pas? Bon, il faut avoir le recul, hein, les enfants, il faut avoir le recul. Ouais, on n'a pas l'air d'être trop mal comme ça, c'est cool. Bon allez, on se retrouve pour un haul Chine. Voilà, ça faisait longtemps et je suis super contente de vous présenter les produits Shein aujourd'hui. Alors, en ce moment, c'est les soldes, donc du coup, il y a des prix franchement tout petit et ça vaut le coup, hein, comme d'habitude, de toute façon, sur Shein. À chaque fois, je vous le dis, je prends plein de choses. Là, on a fait une commande il n'y a pas longtemps, on ne vous a pas montré parce que c'était plein de petites choses pour Elia qu'on a recommandé. Enfin bon, voilà... Shein, on recommande assez souvent. Et franchement, à chaque fois, je vous le dis, moi, je ne suis pas déçue. Même les housses de chaises que j'ai eues la dernière fois, franchement, elles sont au top. C'est vraiment des pépites. Moi, je vous les conseille, les housses de chaises, là, voilà, franchement, nickel. Vous aurez un code promo. Alors, c'est hiver76. Je vous mettrai en barre d'infos, comme d'habitude. Et donc là, comme je vous dis, il faut profiter ben voilà, des soldes qu'il y a en ce moment sur, sur Shein. Alors, je vais vous montrer ce que l'on a choisi. Alors, à chaque fois, moi, je vous montre le réel, la photo, tac, tac, tac. Alors, il y a des choses pour Elia. Et il y a des choses pour moi. Voilà, on a pris chacun des petites choses. Alors, je crois que c'est ceci. J'ai pris, moi, des pulls. Parce que j'ai pas... Enfin, j'ai des pulls fins, mais j'ai pas trop de pulls, vous savez, pour l'hiver, quoi. Et j'ai l'impression de mettre toujours les mêmes. Et ça m'énerve. Donc, j'ai trouvé ce petit pull. Alors, déjà... j'ai pris taille S. Alors, ça, j'hésitais à prendre M ou S. En tout cas, il est super épais. Ah ouais, mais j'avais pas... Ah ouais, mais il est en moumoute dedans, quoi. Le pull, il est en moumoute. Alors, j'espère que ça va m'aller. J'ai pris taille S comme une bourrique. J'aurais peut-être dû prendre taille M. Peut-être qu'il va m'aller, mais court. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre taille M. J'aurais peut-être dû prendre... À chaque fois, c'est des trucs que j'hésite, ça, vous voyez, à prendre taille S ou taille M dans les pulls. Et bon, à essayer, parce qu'il a l'air extensible quand même. Mais alors, le truc, il est fourré, quoi. Un truc de malade. J'avais pas vu... Ça, c'est vraiment des pulls d'hiver avec un col roulé. Donc, franchement, il est vraiment trop chouette. Je vais le tester, là. Écoutez, on va essayer. Soyons fous, on va tester. Alors là, il est à 21,49 €. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et franchement, ça va. Parce qu'on est allé faire des magasins, je vous l'ai dit, je ne sais plus quand. Et les prix des pulls, ça coûte super cher. Et là, le truc, il est doublé, quoi. Allez, on va tester. Bon, je me mets pas toute nue, hein, vous inquiétez pas. Hop là, j'enlève juste le pull que j'ai là. Pour tester, voir si, si c'est bon au niveau de la taille, j'espère. Parce que franchement, il a l'air d'être bien chaud celui-là. Et je serais bien déçue s'il ne me va pas. Bon, normalement, en haut, moi, le S, ça me va. Mais j'aime bien quand même quand les pulls ils sont assez longs. Vous voyez, parce que moi, vu que je mets des pantalons taille basse, après, sinon, on voit mon... Bon, oh, si, ça va. Il faut que je l'étende un max. Mais ça va. Ouais, si, ça va. Cool. Oh là là, il est trop chaud, je vous jure. Truc de dingue. Donc, voilà. Bon, là, après, il est... Voilà, peut-être que j'aurais dû prendre M pour qu'il soit plus, plus long, vous voyez, au niveau d'ici. Mais bon, après, il tombe pile poil. Hein. Après, avec le col roulé, comme ça, je ne sais pas si vous allez bien voir... Il fait pas beau aujourd'hui, j'ai pas trop de luminosité. Mais il est épais, un truc de malade. Voilà, ça c'est des pulls chauds. Mais moi je savais même pas que ça existait des pulls tout doux comme ça à l'intérieur. Donc par contre, sèche-linge négatif hein, pour les pulls comme ça, parce qu'à mon avis sinon c'est mort. Mais ouais, j'aurais quand même dû prendre une taille. Alors, le S il me va, mais j'aurais dû prendre taille M moi pour que ça soit plus long. Mais nickel. Oh là là, il est tout doux à l'intérieur. Oh, ça, ça va être trop trop bien. Vraiment, trop contente. Donc voilà pour la première chose. Attends, franchement, ça me scotche que ça soit doublé comme ça.
Trop bien. Ouais, je mets double pull parce que tellement que j'ai froid. Donc là, vous voyez, celui-là, j'aurais même pas besoin de mettre ça dessous parce qu'à mon avis, voilà, j'aurais chaud direct. Ensuite, pour Elia, alors, elle se reprit encore un sweat noir. C'est pas comme si elle en avait pas déjà, je sais pas combien. Mais voilà, alors, un sweat. Non, il n'est pas noir, il est gris. Un peu gris anthracite comme ceci. Voilà, sweat basique, hein. Vous savez, le sweat des jeunes. Basique comme ceci avec des poches, voilà. Donc il n'est pas noir, il est un peu, voyez, un petit peu gris, gris comme ceci. Et ça vaut 10,19 €. Alors comment vous dire que pareil, hein, ça vaut le coup au niveau du prix parce que un sweat. Et alors ça, je les lave, relave, re-relave, je les mets au sèche-linge et franchement, ils bougent pas. Même au sèche-linge, les trucs ils rétrécissent pas, rien. Donc franchement, au top. Donc voilà, c'est le sweat basique. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, comme ceci. Donc elle, elle les a pris ses sweats, tous ses habits en XS, ça y est, parfois. Moi, c'est S ou M. À chaque fois, j'hésite. À chaque fois, je vous le dis parce que je ne sais pas. Donc voilà. Mais après, si vous avez des soucis au niveau des tailles, chez Shein, vous pouvez les retourner. Hein. Donc et après, vous changez de taille. Donc il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est pas un sweat. Mais ensuite, elle s'est repris. Je sais pas, je lui dis change de couleur. Encore un survêt gris. Alors ça, elle en met, mais je vous dis même pas au taquet. Mais alors celui-là, il a une autre coupe que ceux qu'elle a d'habitude. Celui-là, il est un peu évasé en bas. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est un peu évasé et il a l'air d'être tout doux aussi à l'intérieur. Par contre, celui-ci, il a l'air d'être moins fin que ceux qu'elle a déjà. Et je ne sais pas pourquoi elle veut pas d'autres couleurs. Elle prend que du gris. Voilà, comme ceci. Et ça, ben, c'est pareil, elle les porte même pour le collège. Des fois, elle met des pantalons de survêt comme ça. Et pour à la maison, enfin bon, bref. Et donc pareil, toujours pareil, en XS. Et ça vaut 10,19 €. Ouais, 10,19 €. Donc pareil pour un bas de survêt, franchement. Et pareil, ça, je les lave, relave, relave, sèche-linge. Ça bouge pas. Je vous dis, ça va être vraiment ce sweat que je ne passerai pas au sèche-linge. J'aurais trop peur qu'il bouge au niveau de l'intérieur. Mais franchement, celui-là, il me tarde de le mettre. Il est trop doux. Il est trop bien. Vraiment. Trop, trop bien. Ensuite, nous avons toujours pour Elia. Donc là, on a vu. Alors, Elia met beaucoup de body à manches longues et l'été à manches courtes. Alors, moi, c'est un truc que j'ai jamais essayé. Il faudrait que j'essaye. Peut-être que, mais je crois que c'est pour aller aux toilettes, ça va me gêner. Mais il faudrait que j'essaye un de ces quatre. Alors, en XS, alors là, c'était pas mal. On n'avait pas vu. C'est 19,34 €, mais vous en avez trois. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. J'essaye de bien me caler. Voilà. Tac. Il y en a trois en fait à l'intérieur. Et vous avez plusieurs multicolores. Et là, c'est beige, gris et noir. Donc ça, c'est pas mal. Et au niveau de la matière, c'est une matière qui est assez fluide comme ça. Mais après, voilà, c'est des bodys vraiment basiques. Donc on a le beige qui est comme ceci. C'est simple, hein, mais. Bon, là, ça passe partout. On a. Ah, c'est la matière. Après, je ne sais pas si elle va aimer. Vous voyez, c'est une matière. Je sais pas comment vous expliquer. On l'a en gris comme ça. Il est sympa ce gris. C'est pas un gris. Ça fait un peu gris souris. J'aime beaucoup. Et ensuite, nous avons le noir comme ça. Voilà. Pareil, un basique, indétrônable. Hein, voilà. Ces trois couleurs, au moins, ça va lui faire trois bodys en plus. Et quand il fait très froid, elle met des bodys sous ses pulls aussi. Et au moins, ça tient chaud. Et ça tient chaud, vous voyez, au niveau du ventre et tout ça, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qu'elle porte beaucoup. À chaque fois, vous voyez passer un ou deux bodys à chaque fois qu'on vous fait des hauls Shein. Et là, le fait de les avoir par trois, franchement, c'est vraiment top. Et du coup, ouais, 20 €, même pas 20 € les trois. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Ça fait même pas 10 € le body, franchement c'est cool. Et ensuite, le dernier article, c'est pour moi. Alors, je l'ai pris en taille. Ça, je sais pas, j'ai hésité aussi. Donc, du coup, je ne sais plus. Taille S. J'ai pris un pull bleu. J'adore ce bleu-là, vous savez. Voilà, j'adore ces bleus-là, comme ça. Un peu bleu électrique. Et en fait, celui-ci, il a 14,44 €. Pareil, ben, je trouve que ça fait pas cher. Au lieu de là, il est en promo, au lieu de 16,99 €. Et en fait, il est comme ceci, regardez.
Franchement, il est chouette. Il avait l'air d'être assez long, encore une fois. Pourquoi je suis chiante avec la longueur? C'est surtout quand il fait froid, parce que après, ben, vous avez le dos à l'air. Ah, il est sympa. Alors, la matière, elle est méga douce. C'est pas, ça fait pas laine. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de sèche-linge, à mon avis, dans celui-là. Mais la matière, ça fait pas laine. Parce que moi, la matière laine, je déteste ça. Vraiment, je déteste. Mais il est un peu pilou-pilou, vous voyez. Ça, je sens que Toto, il va squatter. Allez, on essaye. Bon, je pense que là, la taille S, c'est nickel. Je pense. Il a l'air quand même d'être assez large. Maintenant, c'est la longueur, surtout, comme je vous dis. Après, au niveau du haut, je suis pas super épaisse. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, le gris... Non, il fallait bien. Ouais, taille S. J'aurais pris taille M. Ça aurait été trop grand, vous voyez, au niveau du... Il est d'une douceur, ce pull. Oh là là. Il est agréable. Franchement, au niveau de... Il est doux. Oh, il est trop doux. Alors, par contre, il n'est pas aussi chaud que l'autre. Mais il est quand même assez chaud. Mais au niveau de la longueur, vous voyez, pareil. Il est... Vous voyez, au niveau de la longueur, celui-là, il est plus long. Pour un taille S, il est vraiment bien. Et je vous dis, la douceur et tout, franchement, il est trop... Trop bien. Oh là là, j'adore. J'adore la douceur. Vraiment, je suis trop fan des deux pulls que j'ai pris là. Vraiment trop fan. Après, lui, peut-être un regret de ne pas l'avoir pris en une taille au-dessus. Lui, j'ai bien fait de ne pas le prendre en une taille au-dessus, sinon ça aurait fait vraiment trop large, pas beau. Et la couleur, elle est sympa. Ça change un petit peu, voilà, que de mettre des couleurs sombres. Il est beau. Par contre, il est électrique. Hein. Vous entendez l'électricité? Il est électrique. Mais j'adore, franchement, je kiffe. Voilà, je kiffe mes deux pulls. Je vais aller monter les affaires à Elia. J'espère qu'elle aussi, elle va aimer ses affaires, elle va les essayer. Comme d'habitude, franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous mettrai les liens de ce que j'ai pris en barre d'infos. Hein, comme d'habitude, si vous voulez retrouver. Moi, je vous conseille hein, ces deux pulls déjà, c'est sûr. Et surtout celui-là, là, en matière pilou-pilou comme ça. Je ne vous ai pas dit jusqu'à quelle taille ça va, mais bon, jusqu'à grande taille hein, normalement. Ils font du XS au... Alors attendez, je vais regarder pour celui-là, pull. Celui-là, ils font du S au L. Ah ouais, S, c'est 36. J'ai pas regardé. J'aurais dû prendre ouais, 38 en M. Mais bon, ça va, ça passe quand même. Il est un petit peu court, mais ça va. Ça va se descendre sûrement. Mais en tout cas, je kiffe. Voilà, voilà pour ce petit haul Shein. Qui va nous tenir bien au chaud, enfin surtout moi, parce que là j'ai des bons pulls. Elia aussi, remarquez, hein, parce qu'avec son sweat et le sweat gris comme ça, en tracé, je le trouve vraiment sympa. Ça change un petit peu. Ouais, je me rhabille en même temps avec vous, ça vous dérange pas. Ça change un petit peu du noir qu'elle peut prendre à chaque fois. Et puis voilà, après ça serait bien qu'elle prenne un petit peu plus de couleurs, je sais pas, un rose ou un petit vert, enfin vous voyez, un peu de couleurs, mais bon. Vous savez, les ados, hein. Couleur sombre, voilà. Bon, écoutez, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je vous mets aussi mon code promo si vous voulez vous faire plaisir et si vous avez des ados, tout ça aussi, hein, parce que franchement, je vous dis, ça vaut le coup. Et que ça soit le pantalon de survêt, le sweat et tout, je vous dis, depuis que je vous les montre, que l'IA, je les lave, je les relave, franchement, ça n'a pas bougé les trucs. Donc, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Donc là, je vous ai montré des vêtements, mais vous avez aussi plein d'autres choses sur le site, que ce soit pour la maison ou autre. Voilà, bon, allez, sur ce, la team, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez. J'allais dire scrabez bien. Profitez, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous.